tous. Nous voilà de nouveau, toujours avec le même thème, mais avec quelques petites miettes, avec quelques petites allumettes, pour nous éclairer mieux, pour nous nourrir mieux, pour se comprendre mieux. Il y avait jadis, en Égypte, un pharaon. Et ce pharaon aimait beaucoup punir les humains. Et son pays était rempli de prisons. Il avait des experts, des spécialistes qui inventaient des punitions. Et quand toutes ces prisons étaient remplies, quand tout était déjà fait, alors là, il les prenait lui-même pour les punir. Et un jour, on amène devant lui deux détenus, deux pêcheurs, et comme il n'y avait pas de prison, comme il n'y avait plus de place pour les placer quelque part, il fallait inventer quelque chose, bien qui était valable, pour les punir. Et il leur présente deux choses. Il leur donne un choix. Il y avait deux. Alors, il présente devant eux un sac de blé et deux poux. Et il leur donne la possibilité de choisir et que ce sac de blé, celui qui va choisir, et que ces deux poux, celui qui va choisir, ils vont les transporter à travers le pays pendant un certain temps. Et voilà, il y avait celui qui était plus rusé, celui qui ne voulait pas trop faire des efforts. Il a évidemment choisi rapidement deux poux et puis il était tout content. Parce que de porter un sac de blé, c'est trop lourd. Et l'autre, eh bien, il ne lui restait plus rien que de prendre le sac de blé et de transporter à travers le pays entier ce sac de blé qui était très lourd. Mais que voilà, ils commencent leur route et très bientôt, ils rencontrent des paysans. Et celui qui portait le blé, évidemment que c'était pesant, que ce n'était pas facile. Et celui qui transportait les deux poux, eh bien, il sifflait, il chantait, c'était très facile. Et les paysans les rencontrent et ils leur demandent « qu'est-ce que vous transportez ?» Alors celui qui transportait le blé, il le dit. Et il lui demande « peux-tu nous donner un peu de ton blé ?» Bien, bien sûr. Alors il leur donne un peu de blé et son sac est devenu plus léger. Et il continue. Et auprès d'un autre village, ils rencontrent de nouveau des paysans. Et ces paysans leur demandent qu'est-ce qu'ils transportent. Et alors, celui qui transportait le blé, il le dit. Et l'autre le dit aussi. Alors, il lui demande le blé et sur l'autre, excusez-moi, il crache sur l'autre. Parce que les poux, ça ne les intéressait pas. Et il continue et il continue. Et voilà, ils arrivent auprès d'un troisième village. Et de nouveau, les paysans les rencontrent. Et celui qui avait le blé, évidemment, il leur a offert de nouveau le blé. Et celui qui transportait les poux, alors les gens détournaient la tête. Et bien, ils n'aimaient pas ça. Et le temps passait, et le temps passait. Et celui qui transportait le blé, ça fait longtemps qu'il n'avait plus de blé. Alors sa démarche était légère, il n'avait plus de poids et que voilà, sa pénitence n'était pas tellement terrible. Mais celui qui avait des poux, avec le temps, évidemment, les poux ont commencé à se multiplier et à se multiplier et à se multiplier. Et il était complètement couvert de poux et il n'y avait rien à faire. Il fallait qu'il transporte son bagage. Il fallait qu'il transporte eh bien, ce qu'il a choisi et que voilà, tout le monde se détournait de lui et tout le monde crachait sur lui. Et puis voilà, c'était la fin de leur choix. Et nous nous comportons très souvent comme ces deux punis. Au début, nous regardons seulement qu'est-ce qui est le plus facile. Nous ne pensons jamais quelles conséquences, quels résultats cette chose va donner, ce choix va apporter. Nous nous précipitons de choisir
quelque chose qui va nous enterrer par la suite. Mais comme au début, ça nous paraît facile, ça nous paraît, oh, c'est très léger, alors on choisit normalement l'époux, mais sans savoir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Tandis que le blé, qui est bénéfique par soi-même, qu'on peut partager avec tout le monde, personne ne choisira, à moins que ça nous reste parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Alors cette petite histoire nous montre aujourd'hui la situation de l'humanité. Savez-vous qu'est-ce que nous avons choisi depuis longtemps? Nous avons choisi la matière. Notre but est complètement dans la matière. Et qu'est-ce que nous nous préparons? Nous nous préparons un tombeau. L'humanité entière, ce n'est pas seulement les poux, ce n'est pas seulement quelque chose, un parasite qui va nous grignoter, qui va nous ronger. L'humanité se prépare un tombeau. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi le chemin plus facile. Elle ne voulait pas apprendre la connaissance divine. Et que voilà, nous nous trouvons aujourd'hui dans la même situation que ces deux punis dans cette petite histoire d'ancienne Égypte. Le but de l'humanité aujourd'hui se trouve dans la matière. Et puisqu'il est dans la matière, cette matière l'enterre. Constamment, l'humanité est enterrée et ce n'est pas la première fois que l'humanité, en plus grande partie, va disparaître. Elle est déjà disparue à plusieurs reprises et il y avait seulement une petite poignée d'êtres humains, une petite partie de l'humanité qui est restée pour procréer des nouvelles civilisations. Et aujourd'hui, de nouveau, nous nous trouvons au même tournant, nous nous trouvons devant le même choix et nous continuons à choisir ce qui est obscur, ce qui est opaque, ce qui ne nous permet pas d'accéder à la vie divine, à la vie éternelle. Alors, si nous regardons seulement une journée de notre vie, parce que nous ne voyons pas la vie au complet, mais si nous nous regardons seulement pendant une seule journée, qu'est-ce que nous avons fait pendant cette journée? Quelque chose de merveilleux, quelque chose de satisfaisant, quelque chose d'encourageant, quelque chose qui nous apporte la joie, parce qu'on a donné, on a servi, on a bien fait. Eh bien, nos journées traînent comme ça, puis c'est pas fameux, et puis bien, c'est désorganisé, c'est désordonné, c'est inharmonieux. Et voilà, nous nous trouvons aujourd'hui devant les portes d'une nouvelle époque, avec tout notre bagage du passé, avec tous nos parasites, avec tous nos poux. Et voilà, le but, eh bien, il est bien dans la matière et il nous enterre. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? C'est de changer de but. Au lieu qu'il soit tourné vers le bas, où les diables nous viendront grignoter, il faut le placer vers le haut. Et vous allez dire, oui, mais c'est quoi? Eh bien, on nous l'a dit à plusieurs reprises, mais on ne l'a jamais entendu. On nous parle depuis 2000 ans qu'un jour, sur la terre, va s'installer le royaume de Dieu. Présentement, on nous parle de l'ère du Verseau. On nous parle de l'âge d'or, on nous parle de la nouvelle époque. Mais est-ce que nous voulons vraiment entendre, est-ce que nous voulons vraiment accepter que toutes ces nouvelles époques ou toute cette nouvelle époque s'en vient et que nous sommes conscients et que nous voulons nous débarrasser, faire le ménage en nous, autour de nous, pour participer. Ce qu'on demandera de nous, c'est de participer. Supposez que vous cherchez un travail et que vous avez les diplômes les meilleurs et que vous êtes décidé à 100% de trouver le travail et que assumer les responsabilités, mais que vous restez à la maison. Alors, avec vos diplômes, avec votre décision, avec le fait que vous pouvez assumer la responsabilité, si vous n'allez pas au bureau, si vous ne participez pas, et qu'est-ce qu'il vous demande le patron? Quand est-ce que vous pouvez vous engager? Eh bien, si vous restez à la maison, ben, ce n'est pas un engagement.
c'est qu'on ne participe pas au travail. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui, envers la nouvelle époque, envers l'ère du Verseau, envers l'âge d'or et envers le royaume de Dieu. Il y a peut-être parmi nous des êtres magnifiques. Il y a parmi nous des êtres qui ont une bonté infinie dans le cœur. Il y a peut-être même certains qui sont assez éclairés dans l'intellect. Mais que voilà, on reste assis, passif, paresseux, et on ne veut rien faire, on ne veut pas s'engager, ça veut dire participer. Et pourquoi dans notre vie courante, on nous demande de s'engager et de participer si on veut arriver à quelque chose, et que pour la vie spirituelle, pour la vie divine, ça ne serait pas la même chose? Il faut se bien poser la question. Et que peut-être les êtres invisibles et les grands maîtres, ils n'attendent que ça. Mais qui est-ce que s'engage? Est-ce qu'on est prêt à s'engager pour servir la terre? Bien, il y a quelque part Mère Teresa, il y avait quelques années Padre Pio, et puis il y a peut-être comme ça, quelque part, quelques-uns, et puis c'est tout. Et nous les autres, quand est-ce qu'on va se décider de s'engager pour la vie divine, pour la lumière, pour le royaume de Dieu? Vous allez dire, bien, j'aimerais, mais je ne sais pas comment. Mais si vous aimerez, et si vous saviez que c'est vraiment vrai, c'est sincère, mais vous allez trouver les moyens. On viendra vous chercher. Et il y aura des accidents qui seront écartés, il y aura des événements qui ne se produiront plus dans votre vie, des événements fâcheux, parce que vous serez aidés à cause de votre décision, mais la décision n'est pas suffisante, à cause de votre engagement. C'est exactement la même chose, comme si vous prenez une semence. Et supposez que vous avez un grenier qui est rempli, peut-être on en a déjà parlé de cet exemple, mais c'est pour les nouveaux. Et que dans ce grenier, bien, c'est toute une richesse que vous avez. Mais si vous ne plantez pas votre petite semence, elle ne donnera pas des fruits, il n'y a pas de multiplication, et puis voilà, il y a certains qui ne seront pas nourris. Alors nous avons les moyens peut-être, nous avons une richesse intérieure, mais si on ne veut pas s'engager, si on ne veut pas la donner, si on ne veut pas la planter dans un sol nouveau, dans un sol spirituel, eh bien on va rester encore avec nos moisissures pendant des siècles et des siècles. Et qu'est-ce que c'est qui nous apprendra comment participer? C'est la science initiatique et ésotérique dont on a parlé la semaine passée. C'est cette science qui nous apprendra avec une exactitude mathématique, qui s'appelle dans cette science kabbalistique. Mais là, c'est un mot qui va nous faire peur. Alors, mathématique, c'est une science avec une exactitude, avec une perfection mathématique. C'est tout marche, vous le dites, comme sur des roulettes. Parce qu'on sait comment faire. On sait comment commencer la journée. On sait comment se lever. Il y a la sagesse humaine, populaire, qui dit, au sujet de quelqu'un qui est de mauvaise humeur, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il s'est levé de mauvais pied. Qu'est-ce que c'est qui est caché dans cela? Pourquoi il s'est levé de mauvais pied? Et quel est le mauvais pied? Eh bien, on va nous apprendre. Qu'est-ce que c'est de se lever de bon pied et toujours de bon pied et toujours commencer la journée comme il faut? Eh bien, on apprendra que le pied droit, c'est la volonté. Et que nous venons sur la terre pour exercer la volonté, pour s'engager, pour participer à quelque chose. Eh bien, le pied gauche, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Mais quand le pied droit est en avant, eh bien, lui, il reste en arrière. C'est que le pied gauche, il nous transporte bien. Il fait son service. Mais il représente l'imagination. Et l'imagination, ce n'est pas la volonté. L'imagination, il faut qu'elle passe par la volonté pour qu'elle soit réalisée, parce qu'autrement, c'est une rêverie, c'est une passivité, c'est une paresse et tout ce qu'on veut. On peut avoir des meilleures idées et des meilleures intentions, et puis rien ne se réalise si la volonté n'est pas là. Alors, de se lever de bon pied, ça veut dire de savoir, de connaître le plan de la journée, de savoir de quoi notre journée doit être composée. Qu'est-ce que nous devons atteindre aujourd'hui? Quelle figue donner? Quel fruit donner? On a parlé des figues la semaine passée. Alors, on apprendra. On a passé presque une année, nous, avec vous.
en parlant un tout petit peu, en touchant un tout petit peu la science du soi, connais-toi toi-même, la science ésotérique, mais on n'a rien touché, on n'a rien commencé. La science ésotérique n'a pas de fin. La science ésotérique, c'est la vie. La science ésotérique, c'est Dieu, c'est l'univers. Et puisque nous sommes univers, alors on commencera en sachant qu'est-ce qu'on fait le plus souvent. Bien, on mange. C'est vrai, on mange 3 fois par jour. Mais qu'est-ce qu'on fait encore plus souvent? Ben, peut-être on respire, on dort. Et puis qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Ben, on fait du travail. Alors, on apprendra peut-être les choses qu'on fait tout le temps. Mais est-ce qu'on sait respirer? Est-ce qu'on sait manger? Est-ce qu'on sait faire ce que nous... Est-ce qu'on sait travailler? Et puis, pour travailler, il faut aimer. Parce que si nous n'aimons pas notre travail, eh bien, c'est une peine. Et nous parlerons bientôt peut-être du travail. Vous allez voir quel degré il y a dans le travail et que là où on est rendu, c'est loin du travail. Alors, c'est par quoi commencer? C'est qu'on apprendra comment se lever. Mais avant de se lever, il faut savoir comment dormir. Et pour savoir comment dormir, on va nous apprendre comment se préparer pour le sommeil. Parce que c'est tout un travail qui se fait pendant le sommeil. Il y a le corps physique et éthérique qui reste sur le lit. Et puis, il y a la conscience avec le corps mental et sentimental qui s'en vont et qui plongent dans le cosmos. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Il faut savoir qu'est-ce qu'ils font et il faut se donner un but peut-être pour la nuit, pas seulement dormir comme ça, comme un animal. C'est pas pour rien qu'on a la pensée, c'est pas pour rien qu'on se tient debout et qu'on a la parole et qu'on a le sourire et qu'on a des puissances que les animaux n'ont pas. Même si on se laisse encore régir par les lois animales, mais il faut quand même utiliser notre intelligence. Alors, on nous apprendra dans cette science ésotérique comment vivre. C'est la science comment vivre. Comment se préparer pour le sommeil, puisque pendant bien des époques, on dormira encore. Après, plus tard, on ne dormira plus. Il n'y aura plus de nuit, parce que notre lumière va faire disparaître même la nuit. Alors, mais c'est pour plus tard. Comment se préparer pour le sommeil? Comment dormir? Comment se lever? Comment se laver? On ne sait pas se laver et qu'il y a d'autres choses à laver. Comment manger? Et avant de manger, les bons chrétiens prient. Alors on nous apprendra comment prier, parce qu'il y a plusieurs sortes de prières, on en a parlé un peu. Et après qu'on prie, on mange, et après qu'on a mangé, on travaille. Mais pour travailler, il faut aimer, parce que je vous dis que si on n'aime pas notre travail, ben c'est pénible. Et c'est pénible non seulement pour nous, parce que tout notre poison sort par la suite sur tout le monde et sur notre famille et sur notre religion et jusqu'au Seigneur. C'est lui qui est coupable. Alors, on nous apprendra mieux vivre. Et c'est la science ésotérique ou initiatique qui nous apprendra, qui va être installée partout sur la terre et ça va s'appeler l'école divine. Mais avant de s'y rendre, il faut que ça soit clair dans notre tête, parce que l'ésotérisme est très souvent mêlé à l'occultisme. Il faut bien distinguer, il faut que ça soit absolument clair pour nous, même à minuit, qu'est-ce que c'est l'occultisme et qu'est-ce que c'est ésotérisme. Ésotérisme, ça veut dire intérieur. Et le mot occulte, ça veut dire caché. Alors, dans notre intérieur, il y a des choses cachées. Il y a des planètes. Il y a des soleils dedans. Il y a des galaxies dedans. Mais pour l'instant, c'est caché. Et ça s'exprime par le mot occulte. Et quand ce qui est caché tombe dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser et qui ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'il commence à l'utiliser mal. Et avec le temps, même s'il apprend qu'est-ce que c'est, il continue à l'utiliser mal, eh bien, c'est qu'il a profané la science divine et c'est devenu, nous on dit occulte. Mais ce qui est occulte,
Bien, on va le comprendre peut-être mieux à travers une petite image. Imaginez un cercle, et ce cercle, c'est l'ésotérisme. C'est la science de la vie. C'est la science de l'école divine. C'est le contenu de cette école divine, c'est l'homme avec son intérieur, avec toutes ses richesses. L'ésotérisme, c'est ce cercle. C'est la vie intérieure. Mais dans ce cercle, il y a une petite partie qui est là, qui n'est pas toujours connue, qui est cachée. D'ailleurs, tout est encore caché. Mais au moins, quand on commence à tâtonner un peu, à connaître un peu, alors on découvre certaines choses qui étaient cachées et on commence à les utiliser. Et quand ces choses cachées commencent à être utilisées pour le mal, ça devient la magie noire. Ça veut dire que l'occultisme est utilisé, ça veut dire les notions cachées, les connaissances cachées sont utilisées pour faire le mal, ça devient la magie noire. C'est le chemin de l'initiation de la main gauche. Et quand le même occultisme, les mêmes connaissances cachées qui comprennent une partie, qui correspondent à une partie de l'ésotérisme, quand elles sont utilisées pour le bien, ça devient la magie blanche et ça forme le chemin de l'initiation de la main droite. Et qu'est-ce qu'il arrive aujourd'hui? Aujourd'hui, dans 9 dixièmes de la spiritualité, dans 9 dixièmes de l'ésotérisme, il y a des êtres qui possèdent cette connaissance occulte, qui la connaissent, mais qui l'utilisent pour leur but personnel, de l'orgueil, de l'égocentrisme, de l'égoïsme, pour profiter des autres, pour s'enrichir. Et quand cette partie de l'ésotérisme qui est cachée, qui s'appelle occulte, est utilisée pour ses buts destructeurs, eh bien, ça nous fait peur par la suite parce qu'on dit que c'est les sciences occultes qui l'utilisent. C'est vrai! Mais cette science occulte, elle est polarisée par nous. Selon nous, comment nous allons l'utiliser? Alors, vous avez l'électricité. Vous avez cette lumière extraordinaire qui peut nous chauffer, qui peut nous éclairer, qui peut faire des merveilles. Et dans ce cas, elle est polarisée positivement. On l'utilise pour le bien. Mais supposez qu'on l'utilise pour les chaises électriques, eh bien, elle est utilisée pour le mal. Vous avez l'eau, qui est une énergie, et quand vous l'utilisez pour abreuver ceux qui ont soif, quand vous l'utilisez pour irriguer le terrain qui est desséché, quand vous l'utilisez pour faire des oasis, eh bien, c'est bénéfique. Elle est bonne, cette énergie. Elle est la magie blanche. Mais quand on l'utilise pour noyer quelqu'un ou pour inonder, alors elle devient opposée, elle devient maléfique. Alors l'occultisme est une partie de l'ésotérisme que la plupart des ésotéristes qui devraient l'utiliser pour le bien, mais je ne vais pas les appeler ésotéristes, je vais les appeler occultistes. Il y a beaucoup d'occultistes qui utilisent les notions, la science ésotérique pour faire du mal. Vous avez entendu parler de l'affaire Moon, qui a voulu embobiner la pensée humaine complètement, qui veut manipuler la pensée humaine. Eh bien, c'est les notions occultes. À l'origine ésotérique, parce que la pensée, elle est intérieure, elle forme l'être humain. Alors, à l'origine, cette connaissance ésotérique, divine, intérieure, elle était profanée parce qu'elle était touchée par les êtres impurs qui, par leur but impur, vont la souiller complètement
Et puis après, on dit, eh bien, c'est l'occultisme. Ce n'est pas l'occultisme, c'est les êtres humains qui polarisent l'ésotérisme et qui les rendent, d'accord, occultes, c'est caché. Ils ne se manifestent pas, ils ne montrent pas leur but. Mais c'est eux qui ont souillé, c'est eux qui ont profané et prostitué parce qu'ils veulent ou manipuler, ou détruire, ou s'enrichir. Alors c'est notre but impur qui rend noir ou blanc cette science, cette énergie, cette lumière. Alors, qu'est-ce que l'occultisme et pourquoi on a peur de l'occultisme? Sûrement que dans plusieurs cas, on a raison. Parce que les humains l'ont souillé. C'est ça qui est la cause qu'on a peur de l'occultisme. Et il faut savoir et distinguer que ceux qui utilisent cette science, la loge blanche comme la loge noire, possèdent la même connaissance. Mais la différence est dans le but. Pour quel but cette science est utilisée? Si quelqu'un va faire des régressions, si quelqu'un va faire l'hypnotisme, si quelqu'un va faire des affaires dont il ne connaît pas les conséquences, parce que peut-être il ne connaît pas le karma ou je ne sais pas, il lui manque quelque chose, mais qu'il va vous demander tant de dollars ou tant de dollars et qu'il va vider vos poches, eh bien éloignez-vous et méfiez-vous parce qu'il y a peut-être une connaissance ésotérique, mais elle est profanée en partant. Et nous la profanons ici, dans la tête, par notre but impur. Et ce but impur, on ne peut pas le voir tout de suite. Ça peut être caché pendant des années et des années. Mais nous avons un autre cerveau, qui est le plexus solaire, qui va nous le dire. Et si le taux vibratoire ne correspond pas à notre taux vibratoire, nous allons le ressentir dans le plexus. On va avoir, vous allez dire, mal au cœur. C'est là, c'est ce cœur qui nous détermine avec une exactitude si ça nous va ou si ça ne nous va pas. Alors, il faut s'écouter soi-même et non écouter les amis ou les voisins ou ceux qui connaissent encore moins que nous. Ce n'est pas là notre discernement. C'est en nous que nous devons nous demander est-ce que c'est valable pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Et au moins d'observer un peu avant de se lancer, avant de se tromper, avant de se salir, il faut apprendre à observer. Et ça nous exemptera d'un occultisme qui est profané, d'une science qui est dans l'origine bonne, mais qui est toujours souillée par les humains. Il y a de telles méditations, il y a de telles écoles, il y a de telles écoles. Mais qu'ils vous diffusent et qu'ils vous distribuent cette lumière et cette connaissance sans vous promettre des grandes affaires et sans vider vos poches. Pourquoi ils ne le font pas tout bonnement? Et puis, quelques années après, je rencontre les mêmes personnes. Eh bien, ils sont déséquilibrés comme ça et ils sont complètement ravagés comme ça. Et que voilà, ils ont payé beaucoup et puis maintenant, c'est la science ésotérique qui est coupable. Alors, le premier coupable, c'est celui qui la profane. Et le deuxième coupable, c'est celui qui se laisse profaner par ce but qui n'est pas divin. Alors, il faut avoir un peu de discernement. Il faut regarder un peu. Quand vous voulez semer votre jardin, ben vous faites le choix dans vos grains. Vous ne semez pas comme ça n'importe quoi et n'importe comment. Alors, pourquoi de la science ésotérique, on prend et on avale tout n'importe comment, comme des souris, comme des chats qui avalent les souris tout au complet, avec les intestins et la queue et la tête? Ben, il faut regarder un peu. Quand vous choisissez la nourriture, vous faites votre choix. Bien, vous enlevez la pelure et puis vous faites tout simplement, vous prenez seulement ce qui vous va. Et même de ce qu'on a pris, c'est l'organisme après qui sait qu'est-ce qui est valable et qu'est-ce qui n'est pas. Parce que notre nourriture, elle est loin d'être convenable. Alors, c'est quoi l'occultisme? L'occultisme, c'est une partie de l'ésotérisme. Ils ne sont pas identiques parce que l'ésotérisme, c'est complet. L'ésotérisme, c'est le cercle au complet.
c'est la science divine qui a, qui a certains degrés, qui a un centre. Et ce centre, c'est la vérité divine, toujours valable, toujours impeccable, toujours inchangeable. Et de là, évidemment, il y a des rayons, il y a des degrés, il y a des ombres, il y a beaucoup de choses qui s'en vont jusqu'à la périphérie. Et une partie de ce cercle, c'est cette science qui nous est accessible aujourd'hui, qui était cachée à travers les écoles hermétiques, à travers les sociétés secrètes, à travers certaines institutions, qui devaient servir de gardiennes pour cette science occulte. Mais aujourd'hui, moi personnellement, je n'utiliserai pas le même terme, je ne vais pas vous dire que vous apprenez la science occulte seulement à cause qu'elle était profanée. Et dernièrement, on la profane de plus en plus. Alors, l'ésotérisme, c'est une vision complète du passé, du présent et de l'avenir. Tandis que l'occultisme donne certaines notions, mais qui sont séparées du contexte, qui peuvent être utilisées, certainement qu'ils peuvent être utilisés, on peut dominer la pensée, mais celui qui va le faire, il ne voit pas l'avenir et il ne voit pas la conséquence. Celui qui va faire une thérapie par l'hypnotisme, il va avoir les meilleures intentions. On ne peut absolument rien lui reprocher. Mais ce qui peut arriver, comme il ne connaît pas le passé, et comme il ne peut pas aller voir dans le passé, qu'est-ce que lui, il a vécu avec son patient? Supposez que le thérapeute d'aujourd'hui, celui qui va l'hypnotiser, qu'il était son assassin. Tout est possible. Et aujourd'hui, il doit lui rendre service, etc. Et le patient, quand il va voir ça tout dans l'hypnose, ben il va refuser de retourner dans son corps. Puis l'hypnotiste, il ne pourra plus rien faire. Et il y a des cas comme ça sur notre continent, tout au long. Alors, l'ésotérisme, c'est une science prodigieuse, une science du passé, du présent et de l'avenir. C'est la science divine qui nous permet de nous connaître, qui nous permet de connaître l'univers puisque nous sommes un univers. Et l'occultisme est une partie de cette science qui est cachée, qui n'était pas toujours dévoilée aux humains, mais présentement, comme on vit la fin de l'époque, comme il y a l'incarnation de toutes sortes d'êtres qui ont possédé dans le passé des connaissances, et vous allez dire, mais quelle est la raison? Quelle est la cause que cette science divine est profanée? La cause est dans nos impuretés. Notre but impur va rendre la science ésotérique occulte et il va servir la magie noire. Et il faut distinguer là aussi que celui qui utilise l'occultisme toujours et toujours pour un but négatif, pour la destruction. Et la terre entière aujourd'hui, elle est dans la destruction. Celui qui ne fait que du mal, consciemment ou inconsciemment, c'est un sorcier. Il n'y a pas d'autre mot, et ce n'est pas seulement s'il est reconnu par le village ou par la paroisse. Chacun de nous qui fait constamment le mal et qui le fait consciemment avec un but clair ou inconsciemment, peu importe, c'est un sorcier. Et il utilise l'occultisme, il n'a pas l'accès à l'ésotérisme. Il a seulement cette section qui est disséquée et que voilà, c'est là le vrai sectaire. Parce qu'il n'a pas l'accès à l'universalité. Et maintenant, cette science occulte, il y a certains qui l'utilisent à cause de leur ignorance, à cause peut-être d'autres raisons. Il l'utilise une fois pour le bien, mais une fois ça s'échappe, et puis il l'utilise pour le mal. Alors ceux qui utilisent ou pour le bien ou pour le mal, ce sont des magiciens. Et il ne faut pas croire qu'un magicien, c'est quelqu'un qui est habillé en noir et qui porte la croix gammée et qui se présente avec un certain vocabulaire et qui connaît des formules abracadabrantes.
C'est pas ça un magicien. Nous sommes tous des magiciens. Parce que chaque geste qu'on fait, il est magique. Peut-être je vous ai promis déjà qu'on parlera un jour des mains. Nos mains, ce sont des baguettes magiques. Et si nous émettons, par chaque geste, nous émettons des ondes. Et si ces ondes sont harmonieuses, que nous allons arranger le plexus de quelqu'un, que nous allons arranger la migraine de quelqu'un, que nous allons consoler quelqu'un qui pleure, que nous avons fait, évidemment, par notre pensée, notre sentiment et notre geste, quelque chose de généreux, eh bien, nous sommes un magicien blanc. Et quand nous avons fait quelque chose pour déranger, pour désorganiser et pour salir, nous sommes un magicien noir. Il ne faut pas croire que la magie est faite quelque part au sous-sol par un alchimiste ou par un magicien. Ce n'est pas ça. La magie, c'est la vie. C'est là où l'âme agit, c'est là où l'âme se manifeste. Et que voilà, nous sommes aussi dans l'occultisme, malgré nous, seulement inconsciemment. Et quand on est conscient de ça, eh bien, on peut se contrôler. On peut se mettre un but un peu plus élevé qui ne nous enterre pas. On peut se mettre un but qui nous apportera des éléments, des matériaux, non seulement pour cette vie, mais d'ici 2000 ans, d'ici 20 000 ans ou d'ici l'éternité. Et par la suite, qui est celui qui utilise les matières de l'ésotérisme? Ici, les matières ésotériques, la science ésotérique, qui est celui? C'est un mage. Le mage ne fait jamais de mal ici. Il utilise tout au complet, mais seulement pour le bien. Alors, le mage, c'est pour le bien, toujours pour le bien. Le magicien, c'est noir et blanc, ou comme ça, consciemment ou inconsciemment. Et le sorcier, la sorcière, c'est seulement pour le mal, seulement pour le noir. Et voilà, cette science, ce segment de l'ésotérisme qui est utilisé pour les buts personnels, égoïstes, impurs, provocateurs, destructeurs, profiteurs, eh bien c'est là. Et seul Dieu sait combien il y a de profiteurs aujourd'hui. Alors, c'est le mage qui utilise tout au complet, et à part des sorciers, des magiciens, il faut savoir que nous sommes tous des magiciens. Parce qu'on est de bonne humeur, on est correct, on est harmonieux, on est un magicien blanc. On est de mauvaise humeur, on bouscule tout, on est mécontent, on est agressif, on est un magicien noir, non seulement pour la Terre, mais pour l'univers entier. Nos ondes, nos éabondes, s'en vont jusqu'au bout de l'univers et on a dérangé l'harmonie de l'univers. Et puis on se croit tout innocent et tout correct. Eh bien, c'est ça l'ésotérisme, c'est ça la science ésotérique. Elle va nous apprendre et nous montrer nos saletés et nous montrer nos défauts pour apprendre à se laver et à se purifier. Parce que d'ici quelque temps, on ne pourra plus rester sur la terre si on ne veut pas se laver. Et c'est fini. C'est comme un enfant. Mais regardez un enfant. Vous lui donnez des habits de dimanche. Vous l'habillez tout en blanc et puis il va et il revient, mais presque noir. Eh bien, nous sommes un peu pareils. On nous a habillés dans la lumière et puis on a tout sali, on a tout obscurci et on ne veut rien savoir aujourd'hui. On reste dans la boue. Pourquoi dans la boue? Parce que notre époque s'appelle Kali Yuga. Kal, en sanskrit, veut dire boue. Et c'est là notre but, dans cette boue qui nous enterre. Alors, et si les occultistes placent leur but aussi dans cette boue, eh bien, c'est évident qu'ils sont les magiciens noirs et que ce n'est pas pour rien que les gens ont peur de l'occultisme. Mais ça dépend de nous, comment nous canalisons cette science. Et ce n'est pas tout. D'accord, on a parlé la semaine passée et maintenant que c'est une science. Mais ce n'est pas seulement une science, elle serait incomplète si l'ésotérisme serait seulement une science. La science, c'est quoi? La science, c'est la base.
La science, c'est les racines. Mais est-ce qu'un arbre est complet seulement avec ses racines? Est-ce que la maison est complète seulement avec ses racines, avec sa fondation? Eh bien non. Alors, il faut savoir que l'ésotérisme est beaucoup plus complet. Il représente ce que la religion appelle la Trinité sainte. Ça veut dire les trois qualités de la divinité, qui est sagesse, amour et vérité. Qu'est-ce qu'est cette sagesse? C'est la science expérimentée. C'est la connaissance expérimentée. Quand elle a passé par nos cellules, on avait une notion, on avait une connaissance. Mais il faut que cette connaissance, naissance, naisse en nous. Sans ça, ce n'est pas une connaissance et elle ne deviendra jamais sagesse. Et c'est pour ça que les humains possèdent si peu de sagesse, parce qu'ils n'expérimentent pas la connaissance. Vous prenez seulement les Écritures saintes, mais c'est des connaissances à l'infini. On en a parlé la semaine passée d'une seule parabole, mais ce n'est pas tout encore ce qu'on a dit. Vous prenez n'importe quelle parabole, c'est une vie, c'est une époque, c'est une civilisation, c'est l'histoire de l'humanité. Chaque parabole. Mais c'est trop complet. Alors, cette science, si elle n'est pas expérimentée, si les paroles de Jésus, nous ne les appliquons pas, eh bien, elle ne devient pas sagesse et nous ne devenons pas sages. Nous restons ignorants et stupides. Et, excusez-moi, mais c'est bien ça les mots. On ne peut pas les changer et nous sommes tels que nous sommes. Nous sommes obligés de constater aujourd'hui, eh bien, que nous sommes ainsi. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ésotérisme à part qu'il est science? Et si cette science, si cette connaissance est expérimentée, elle devient sagesse. Alors la deuxième qualité, c'est l'amour. L'ésotérisme nous apprend à s'aimer nous-mêmes, à aimer notre prochain et à aimer Dieu. Il nous apprend avant tout de connaître la divinité de l'amour et de la faire naître en nous. Et qui est cette divinité d'amour? Eh bien, c'est le Christ. C'est lui qui est le Fils. Et qu'est-ce que c'est le Fils? Mais c'est le produit de l'amour. C'est le fruit de l'amour. Entre qui? Mais entre le Père Céleste et la Mère Divine. Et nous aussi, qu'est-ce que nous sommes? Mais nous sommes le même fruit, sauf qu'on n'est pas mûr. On est encore un peu amer, âpre, acide et tout ce que vous voulez. Eh bien, il faut travailler sur les vertus, les qualités pour avoir un peu plus de saveur douce, un peu plus de jus convenable pour qu'on soit un fruit savoureux. Alors, c'est l'amour. Le deuxième côté de l'ésotérisme, il nous apprend à connaître la divinité de l'amour qui est le Christ, qui est l'élixir de vie dans l'univers, qui est la vie elle-même. Et on en a parlé peut-être la semaine passée. Qu'est-ce que c'est ce distributeur de la vie? Eh bien, c'est le soleil. Dès qu'il ne se lève pas un jour, eh bien, comment la vie peut être nourrie sur la Terre? Non seulement sur la Terre, dans l'univers entier. Alors, c'est cette vie que l'ésotérisme nous apprend à connaître. Et cette vie se manifeste à travers l'amour du Christ, qui est le principe christique. Mais le Christ est lié à quoi? Évidemment à la religion. Mais qu'est-ce que c'est la religion? C'est un mot latin qui veut dire relier, religare, ça veut dire relier. Alors, avec quoi cet amour doit nous relier? Mais avec Dieu, avec le Seigneur, avec le Père. Et le Christ a dit, vous ne pouvez pas aller au Père qu'à travers moi. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas accéder à cette vérité divine qui est le chapeau, qui est le sommet, qui est le toit, qui est la cime, si nous ne passons pas par le tronc. Alors le tronc, c'est la religion. Mais ce n'est pas cette religion séparée. Imaginez le tronc où il y a, je ne sais pas, il y a la sève qui circule, mais que le tuyau, le courant qui passe à droite, qu'il va détester celui qui passe à gauche. Parce que c'est arabe, ou parce que c'est bouddhiste, ou parce que c'est ça, ou parce que c'est ça. Imaginez que cette circulation dans le tronc de l'arbre, le tronc représente l'amour, le tronc représente le lien
le ciel et la terre, les racines la terre et la cime le ciel. Et c'est le tronc qui les lie, c'est la religion. Mais dans un arbre, c'est une harmonie. Autrement, il ne pourra jamais nourrir ses fruits si un courant va détester l'autre, comme nous, nous nous détestons sur la terre. Et non seulement détestant, c'est pas tout, mais exterminer, il faut les exterminer parce qu'ils ne sont pas comme nous. Mais on ne s'est pas posé la question, mais c'est peut-être le même père qu'on a. Donc on est les fils du même père. Alors, cette conscience extérieure, cette religion extérieure va être remplacée par une religion intérieure, par une religion universelle, ésotérique. Elle n'aura plus de nom. Ça ne sera ni chrétien, ni arabe, ni musulman, ni taoïste, ni bouddhiste, ni rien d'autre. Elle va être intérieure et universelle, unie vers ciel. Ça va nous mener vers le ciel, mais en nous. Alors, l'ésotérisme, ce n'est pas seulement la science, c'est l'amour universel. Et l'amour universel, c'est la religion universelle. Et la religion universelle, c'est le Christ. Et regardez dans le dictionnaire, vous allez trouver la même chose. Alors, l'ésotérisme, c'est aussi la religion du Christ. Et c'est ça que, et les chrétiens, les bouddhistes, ils le savent déjà dans la plupart des cas, et ils savent qui est le Christ. Mais c'est les chrétiens qui ne le savent pas. Alors, n'ayez pas peur. Il faut le savoir que l'ésotérisme, c'est une science divine qui veut dire tout simplement intérieure. Bien, on peut même supprimer ce mot si ça fait peur à quelqu'un. Et si on ne veut rien savoir de l'ésotérisme, mais dites intérieure. C'est une science intérieure. Mais comme notre intellect adore les choses étrangères, les choses excentriques qui viennent de loin et c'est grec et c'est quelque chose, eh bien c'est qu'on utilise ésotérique. Mais on peut le bien supprimer tout de suite et dire intérieur. C'est une science divine intérieure parce que intérieurement nous possédons cette essence divine. Alors une science intérieure et un amour intérieur. Un amour intérieur, eh bien, c'est la religion intérieure. Et comme nous sommes un univers, bien, c'est universel. Veut ou veut pas, la Terre entière, ou plutôt cette partie des humains, qui va persister, ils seront obligés d'admettre que nous allons bâtir en nous, ou plutôt connaître en nous, la science universelle, la science intérieure, qui est divine, l'amour divin. Et l'amour divin, c'est le principe christique, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Alors, c'est une religion universelle. Et il ne faut pas avoir peur, on peut rester encore des bons chrétiens, j'en suis aussi, et puis fêter nos fêtes, et puis respecter tous les personnages adorables et admirables à travers notre religion, on ne la supprime pas comme ça. Mais seulement on ouvre les yeux un peu plus pour savoir un peu plus. C'est tout. On utilise encore notre Père, qui est une prière extraordinaire, pour nos sept corps. Mais est-ce qu'on nous a expliqué que chaque phrase de notre Père, c'est pour un de nos corps? Eh bien, on ne l'a pas dit. Mais aujourd'hui, on le sait, grâce à cette science intérieure. Et ce n'est pas tout. L'ésotérisme, c'est non seulement la science intérieure, la religion intérieure ou plutôt l'amour intérieur christique, mais c'est aussi un art. L'art, c'est le résultat. Imaginez un apprenti qui était un observateur, qui apprenait une science, qui devait connaître tous les détails, comment tailler, comment polir un diamant. Et quand il a observé, quand il a appris la qualité, la luminosité, les outils, quand il a tout appris, il faut qu'il adore son travail. Ce n'est pas même assez d'aimer, c'est qu'il faut adorer. Et quand il adore ce travail, quand il l'aime, eh bien, il sort des œuvres artistiques. C'est de l'art qui sort
de ses mains. Mais seulement quand il l'aime. Parce que s'il n'aime pas, ben, ou il va frapper trop fort, ou il va polir incorrectement, et le diamant n'aura pas son éclat. Mais vous prenez n'importe quel métier. Mais vous prenez la construction des maisons. Imaginez un architecte qui va faire croche ses murs, ou qui va donner des mesures incorrectes, mais la maison ne tiendra pas debout. Alors, si nous savons tout ça au niveau physique, mais pourquoi ça ne, au niveau extérieur, pourquoi ça ne serait pas la même chose intérieurement? Et alors, le troisième composant de l'ésotérisme, c'est l'art de vivre. C'est l'art de créer. Et de créer sans cesse, c'est devenir le fils de Dieu. Alors, dans la science ésotérique, on apprend qu'on est d'origine divine. On apprend qu'on est capable de devenir le fils de Dieu, qu'on est capable de venir, de monter à une conscience angélique. On apprend quel est notre but, on apprend qu'est-ce qu'est la lumière, on apprend quels sont les moyens pour s'y rendre. Et de l'autre côté, ce moyen, eh bien, c'est l'amour. Alors, on apprend les méthodes, on apprend les règles, on apprend les techniques, comment faire mieux. Le côté religion, le côté amour, c'est comment faire mieux pour devenir parfait comme le Père Céleste est parfait. C'est ça le but de cette deuxième facette de l'ésotérisme, de nous apprendre à devenir le Christ, de nous apprendre à devenir le Fils de Dieu, qui, en troisième lieu, va créer sans cesse. Pas créer seulement des petites affaires de rien du tout, mais des galaxies. Alors, est-ce que c'est peureux? Est-ce que c'est risqué? Alors, c'est à vous de vous décider. Alors, la science ésotérique, on dit la science parce que c'est là qu'on commence, c'est la fondation, c'est la base. Mais en réalité, l'ésotérisme, c'est la science de l'univers. C'est la science de l'homme, qui exprime, explique, démontre l'intérieur. Si quelqu'un a peur, n'utilisez pas ce mot. Si vous parlez à un athée, il ne faut pas que vous lui mentionnez Dieu, parce qu'il va vous fuir. Vous allez dire « intelligence cosmique » et ça va le flatter. Il va être tout heureux que vous êtes très d'accord avec lui, que vous n'acceptez pas Dieu. Alors vous remplacez, ben vous remplacez rien, vous lui montrez seulement une autre facette de Dieu, parce que c'est toujours Dieu, l'intelligence cosmique c'est Dieu. Alors, si vous parlez à un religieux, vous allez parler du Christ, évidemment. Et c'est la deuxième facette de l'ésotérisme, nous sommes intérieurement Christ, qui est en germe en nous, et nous devons le faire grandir. Et c'est la prochaine fois justement qu'on parlera de cela. Comment faire grandir en nous ce germe? Exactement comme vous regardez un germe extérieurement, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une semence grandisse? Eh bien, il faut la lumière, il faut la chaleur, et puis ces deux lui donnent la vie. Ces trois composants. Et voilà, l'ésotérisme aussi a trois composants, exactement comme la Trinité Sainte, comme une maison, comme un arbre. Cette nature triple est partout. Et vous allez dire, et en nous? Mais évidemment, l'esprit, l'âme et le corps. Est-ce qu'elle est triple? Eh bien oui. La tête, le corps et les membres. Alors, l'ésotérisme a sa nature triple, la sagesse, l'amour et la vérité. Les racines, le tronc et l'arbre. La connaissance ou la science, la religion et l'art. Mais pas quelque chose de séparé, c'est complet. Pas quelque chose de sectaire, c'est universel. Soulignez bien ce mot, universel. Uni vers le ciel. Uni avec le ciel. Alors voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut savoir que c'est une science de nous-mêmes. Et il faut être fier qu'on vous a révélé aujourd'hui que cette science existe et se diriger pour l'apprendre, pour la connaître avec un but divin,
pour qu'elle ne devienne pas cette section occulte que les magiciens noirs utilisent, pour que ça soit une science de lumière, pour que ça soit un amour christique et un art de Saint-Esprit. C'est la puissance de Saint-Esprit qui se manifestera à travers nous et nous permettra de vivre la vérité divine, la vérité du Père, sa perfection. Vous allez dire, c'est pas pour demain, ça ne fait rien, on va le faire même si c'est d'ici l'éternité. Alors, voilà, c'est une autre facette pour nous connaître mieux, pour se décider à nous connaître, pour choisir un but et pour participer, prendre part à la vie nouvelle qui s'installe sur la terre. Comment l'imaginer cette nouvelle vie? Comme un printemps. D'ailleurs, on est là, à la veille. Vous observez comment tout bourgeonne. Vous observez comment tout commence à pousser. Est-ce qu'il y a la science, une science qui peut arrêter le printemps? Il n'y a aucune. Est-ce qu'il y a une religion qui peut arrêter le printemps? Il n'y a aucune. Est-ce qu'il y a un art qui peut arrêter le printemps? Il n'y a personne au monde. Eh bien, ça va être la même chose pour nous. Ce printemps éternel qui doit s'installer maintenant sur la terre, il n'y aura personne au monde qui l'arrêtera. Même si on l'accepte ou on ne l'accepte pas, le printemps va être là. Mais l'essentiel pour nous, c'est d'y participer. C'est de préparer les outils, c'est de se préparer un peu, le vêtement convenable pour faire notre jardin. Eh bien, pour s'aimer ce qu'il y a à s'aimer, parce que le printemps éternel va s'installer sur la terre. Et après, eh bien, on ne sera plus maudit. Le figuier dont on a parlé ne sera plus maudit. Ça veut dire que l'esprit ne se retirera plus de lui. Il va être constamment là et l'homme va devenir créateur.